Salut tout le monde, c'est Mascas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Overwatch 2, il était temps de débloquer enfin ce skin mythique pour cette saison 9, donc à savoir le skin mythique Moira, la saison 10 arrive dans 3-4 jours, à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le vendredi, je pense que la vidéo sera publiée vendredi ou samedi, mais en tout cas ça sera dans le week-end, et donc dans 3-4 jours je vous ferai la vidéo découverte sur cette nouvelle saison 10, je me suis pas trop renseigné durant cette nouvelle saison. Je sais qu'on aura le nouveau mode de jeu accessible durant une courte période, mais ça nous permettra de découvrir donc le nouveau mode sur des nouvelles maps, mais pas trop puisqu'ils ont repris Anamura. Je sais plus le nom, c'est Anna quelque chose. Et hâte, vraiment hâte de voir ce nouveau mode de jeu ainsi que les maps qui ont été refaites pour l'occasion. Donc qu'est-ce que je voulais dire de plus concernant la ranked, on peut voir ici donc progression de compétition en tant que je suis platine 5 en DPS or 3 et en soutien diamant 5. C'est la première fois que j'atteins le diamant en sélection normale, puisque en sélection libre j'avais déjà atteint le niveau diamant, je crois. Et là, c'est la première fois que j'arrive au diamant. Donc bon, depuis le nombre d'années que je joue à Overwatch, ils peuvent bien m'offrir un petit diamant 5. C'est pas grand chose, hein, mais c'est déjà pas mal. Par contre, en DPS, je suis vraiment très déçu, sachant qu'en plus de ça, durant cette prochaine saison, donc la saison 10, on va avoir le nouveau DPS, donc Venture, je sais pas si je le prononce bien, hein, comme d'habitude, mais ça va donner un peu de fraîcheur au jeu. Et en boutique, qu'est-ce qu'on a? On a pas grand-chose. Je sais plus ce que je voulais dire, puisque ça fait deux fois que je tourne la vidéo. Donc, skin mythique Moira durant cette saison 9. Durant la saison 10, on aura a priori accès à tous les skins mythiques qui sont sortis jusqu'à présent. Donc, au total, il y en a quand même un petit paquet. On peut voir ça rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Orisa, donc skin mythique Orisa, la Junker Queen, on a eu Sigma également. On a eu au niveau DPS, alors je passe vite fait puisque je me rappelle pas vraiment de tout, mais on a eu Genji, on a eu Tracer si je me trompe pas, on a eu donc Moira pour cette saison, Kiriko, et on a eu alors on est à combien là? Diva non. Donc Reine des Junkers, oui, donc 1, Sigma 2, 2, je crois qu'il y en avait 3, non, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ici 2, 3, Anzo, 3, 4, 4, 4, 4, 4, je ne sais plus, 4, 5, 6, bref. Bref, je ne sais plus, mais en tout cas, pour cette saison 10, donc... D'ailleurs, pendant que j'y pense, il faut qu'on fasse un petit tour au niveau des prestiges, parce qu'il me semble que lors de la découverte de cette saison 9, je n'avais pas montré les prestiges. Bon, on s'en fout un peu, mais voilà, je vous les passe rapidement pour ceux que ça intéresse, hein, mais bon, voilà, je pense que je vais déjà atteindre difficilement le niveau 85, je pense, hein, puisque la prochaine saison est dans 4 jours. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on va montrer? Tout simplement le skin mythique pour Moira, bien sûr, donc appel ancien. Et au niveau de l'apparence, on va voir ce que ça donne. Donc au niveau des armes, donc au niveau de ses bras, même de ses avant-bras, puisque voilà, ses avant-bras diffèrent légèrement. Je pense qu'on peut éventuellement choisir le deuxième. Concernant le masque, alors moi ce masque-là me fait penser un peu à une tête de mort. Souvent les têtes de mort sont un peu dessinées comme ça. Alors j'exagère peut-être un peu, mais c'est un peu la même forme. Le deuxième que j'aime beaucoup, hein, qui peut faire penser au masque de théâtre japonais, le kabuki. Je pense que d'ailleurs c'en est peut-être un, je sais pas, je m'y connais, pas du tout. Mais peut-être, peut-être. Et celui-là, c'est un peu... il est pas mal, mais à vrai dire, il n'y a rien, quoi. C'est le néant, il est chouette. Mais je pense qu'on va choisir celui-là. Je pense qu'on va choisir celui-là. Au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on a? On a donc la couleur de base, hein, la couleur principale. On a du blanc, marron, un peu doré, je pense. J'arrive pas trop à voir, mais un peu doré. Et puis du rouge rose. Pour la deuxième couleur que j'aime beaucoup d'ailleurs,
un peu de noir gris ainsi que du bleu vert turquoise qui est quand même plutôt pas mal. On a cette couleur-là qui est un peu plus neutre entre guillemets, un peu plus voilà du gris, du marron, du rose, enfin rose violet. Il est pas mal aussi. Il est vraiment pas mal. Et la dernière couleur, hop, je vais y arriver. Un peu plus marron doré. Marron et marron en fait, il est pas mal aussi, il est vraiment très chouette, surtout que le masque ici, alors j'allais dire il ressort beaucoup, mais en fait non pas trop justement, par rapport à celui-là qui est bleu flashy un peu, mais je pense qu'on va choisir cette couleur-là, j'aime beaucoup le bleu turquoise avec le noir. Et la couleur que j'aime le moins, c'est peut-être celui-là. Celui-là il est très très classe, mais celui-là, c'est pareil, il est. Ah, je sais pas. Je sais pas. Non, on va prendre celui-là, de toute façon, peu importe. Hein. De toute façon, c'est des skins mythiques. Hein. Les skins en général sur Overwatch, c'est des skins que l'on voit pas, à part l'arme ou les mains, notamment de Moira. Mais voilà. Donc, pour la prochaine saison, on va avoir donc Venture, le prochain DPS que l'on a pu tester il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on a, boutique, personnage? Non, on a pas grand-chose. Passe de combat, bon. Comme vous avez pu le voir, j'ai atteint le niveau 80, sinon j'aurais pas le skin mythique, bien entendu. On va pas partir en ranked au départ. Je me suis dit, bah, Moira, il y a moyen de faire de belles choses en compète, mais j'ai peur, hein, quoique ça m'embête un peu, j'ai peur de perdre mon diamant 5, même si on a toujours ce record de saison que l'on peut voir ici, voilà, cote actuelle, donc on est à platine 5 en tank, record de saison c'est platine 4, en dégâts, donc en DPS, gold 3, record de saison gold 1, et bah, en soutien, diamant 5, puisque je n'ai pas joué depuis que j'ai atteint le diamant 5, mais est-ce que on devrait pas justement lancer une petite ranked quand même en support? J'ai débloqué, enfin j'ai atteint le diamant 5 sur King's Row, on avait gagné je crois 4 à 3, non même plus que ça, je ne sais plus, mais peut-être que l'on va une nouvelle fois aller sur King's Row, ça serait bien puisque c'est une map que j'aime beaucoup. Je vous épargne le temps d'attente, même s'il sera pas vraiment long je pense hein, en support, et c'est parti. Allez, c'est parti sur Dorado. J'ai fait les petites games juste avant, on était sur Busan, on a perdu, c'était pas une game de fou, on a fait Monastère Chambali où il y avait un AFK, donc il était à 65 de dégâts durant toute la game, donc bah, on a quasiment rien fait, on a juste attaqué et puis on a défendu. Bon, on est resté AFK, hein, plus ou moins, puisque de toute façon ils attaquaient pas. Et ensuite on a fait Hollywood, où bah, j'avais l'impression que la game c'était un peu la même, il n'y avait pas forcément d'AFK, mais ils se sont vite découragés. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est en fin de saison? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment pas terrible. C'était vraiment pas terrible comme game. Donc, on a Doom, Fatal, ok, Moira, Lucio, qu'est-ce qu'on va avoir comme. Comme DPS. Désolé, je suis en train de bailler, je suis un peu claquous. Qu'est-ce qu'il va? Ouais, je pense que Doomfist, ouais, ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir ce que ça donne. Ils vont avoir une Widow peut-être. En tout cas, ils ont une Moira, ils ont un soldat. Ok. Ouais, je suis nul là. Je me perds un peu. Allez, meurs Sigma, meurs. Je peux pas aller au-dessus. Ok, la petite doublette là, parfait. Allez, on va le chercher, on va le chercher, Doom, on va le chercher. Oui, moi qui l'ai eu. Lucio, il a été le chercher. Hein. Par contre, le Doom, j'ai pas l'impression qu'il ait fait quelque chose.
Ok, ils ont une Orisa. Bah, pourquoi pas? J'ai envie de te dire. J'ai peut-être moins peur de Orisa que de. Que de Sigma. Et on va capturer le premier point. Il est où lui? Ah putain! Je suis perdu, je suis perdu! Donc la Moira, quand elle soigne, elle fait un petit bruit assez particulier. Alors, je sais pas si ça va s'entendre durant la vidéo, mais c'est pas mal, j'aime bien. Ok, ça c'est bon. Est-ce que vous avez besoin d'aide derrière? Non. Le Doom, il fait sa petite vie tranquille. Il redescend quand il faut. Et quelques petits dégâts là, même pas. Ok. Hop. Un peu de soin. Allez hop, les petits kills pour moi, c'est gratos. Je sais pas si j'ai. Je sais pas si c'était bien ce que j'ai fait là. Activer mon ulti. Ouf, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais est-ce qu'on va capturer le point? Non, il reste quasiment 5 mètres. Ah, c'est dommage. Hein. C'est dommage parce que j'aurais pu survivre à ça. Ça va, parce qu'ils ont de son bras. Je suis avec Moira. Bon, il y a peut-être moyen de disparaître avant qu'elle me pirate. Plus attention maintenant. Ils ont une Brigitte. Non, j'ai pas eu le temps. C'est chier. Ah non, je pouvais pas faire grand chose. Ouais. Est-ce que ça serait pas le moment de switch son Doom lui? Parce que le problème c'est que face à Orisa, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Hein. Ok, il a switch, il a pris Zarya. Ouais, c'est pas forcément le meilleur choix. Putain, je sais pas où elle est. Eh bah, elle est là. Elle est là, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Moi qui disais que peut-être que j'aurais le temps. Oh, il s'est fait cancel son ulti, notre Lucio là. Allez, prends ça. Oh putain, oh la salope, pardon. Bon, ça va, on a capturé le point. Bon, j'ai envie de te dire, c'est plutôt rassurant puisqu'ils ont utilisé l'ulti de Brig juste pour me contrer. Donc, bah voilà, hein. GG à nous. Allez, prenez ça. Est-ce qu'elle a ult la Orisa? Je suis pas sûr. Ah bah ok.
Ouais, c'est pas terrible, hein. Pas terrible, hein, adulte à cet endroit-là. Enfin, à ce moment-là, surtout. Ok, c'est pas mal, ça. Ah non, désolé, j'ai pas eu le temps. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu t'en sors? Ah putain, mon merde. Allez, ça dégage. Ok, il reste à peine une minute. Ah, je suis mort, hein. Ah, 4-9, qu'est-ce qu'il raconte? Ah ouais, notre DPS, il est pas foufou, là. Hein. Il est pas foufou, hein, notre Hanzo. Hein. Ah putain, j'ai loupé l'entrée. J'ai loupé l'entrée. J'imagine que la sombrale est juste derrière moi. Allez, allez, toi. Ouais, je pense que c'était bien là. Allez, c'est bon, on va capturer le troisième point. Ok, avec le graviton pour terminer. 17 éliminations, je suis mort 4 fois, 5700 de dégâts ainsi que quasiment 6000 de soins. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. En face, ils font mieux quand même, ils font quasiment 7000 de soins. Ok. Pourquoi pas? Là, on va être en défense. Et j'espère que ça va bien se passer. Parce que là, notre ami DPS, 5 kills, c'est pas fou. Hein. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il meurt 9 fois en plus. On est tous morts 4 fois. Ouais. C'est pas exceptionnel. Hein. Ah, c'est lui qui avait Fatal à un moment. Stop going. Ok. Okay. Et en gros, il dit qu'il y a beaucoup de counters. J'avoue que Widow, ouais, t'as Genji, ouais, ouais. Ah, peut-être que j'ai mal compris, mais. Et du coup, là, il a H, ok. Bon, c'est pas. Ah, peut-être un peu plus de mobilité quand même, mais. Polskin mythique Non. Non. A priori, non. Il n'y a pas le skin mythique d'Orisa. Ou peut-être qu'il l'a débloqué et puis ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui est fort possible. Ok, ils ont une diva. Ils ont toujours le Genji. Alors, le Genji, avec Moira, c'est pas trop mal, je trouve. La Orisa. Oh putain. Oui, je disais la Orisa, elle aurait pu m'aider quand même. Il va falloir que je garde ma boule de soin pour. Pour contrer un peu le faucheur qui va mettre à balle de dégâts sur la Orisa, surtout. Ok, il est mort. Je vais peut-être pouvoir lancer des petites bouboules de dégâts. Peut-être. Mais pas là. Il faut que je fasse des dégâts pour pouvoir la soigner.
Ah putain, j'ai pas eu le temps. Désolé, bro. Oh putain, je suis con. Ah, j'aurais pu la tuer, la diva. Non. Ah, j'ai pas géré là, vraiment. Oui, il va se faire allumer. Oh non! Ah, le Genji, il avait plus de vie! Ouais, il est perdu lui. Hein. Oh, il est complètement perdu. Allez, 9000 de soins. Ouais, j'ai rattrapé un peu tous les autres. Ah, l'autre, il a pas fait un seul kill, hein, la hache. Putain, il a rien fait, quoi. Toi, je vais t'allumer, toi, non? Il a pris des dégâts de feu, un peu? J'espère qu'il va pas faire un gros carnage en haut là. Ah là là, purée. Allez mec. Ah ouais mais... Ok ok, bon le Bob il était pas trop mal. Là, je dois avouer que je pense qu'il était bien. Il était bien, ouais, il a dû faire 2 kills, c'est magnifique. Je crois qu'elle a absorbé mon... Ouf. Oh putain, le headshot qui s'est pris. Oh le pauvre. Non, reviens là, toi. Oh là, malheureux, malheureux, malheureux. Peut-être, peut-être, non, il est absorbé. Ah, c'est ça le problème avec Diva. Ok. Avec Diva, c'est qu'il a peu absorbé ma bouboule. Oh non. Ok, ok. Bon. Pff, ah, deux ultis support de dépenser là pour trop fois rien. C'est le cas de le dire. Hop là. Ok, Ramattra maintenant. Je parle pas trop, mais là... Il y a moyen de faire un truc. J'ai l'impression qu'il y a personne derrière nous là. Attention à l'ulti. Ouais, ça pousse, hein. Ça pousse, ça pousse. Qui c'est qui est mort là? Ouais, la hache, hein. Ok. Oh, bien joué! Aïe, 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 non! Oh là 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 là. Ouais, bien joué. Ok, oh la doublette. Oh la doublette sur les supports. Alors j'avais plus de chances de tuer les deux supports avec mes petites bouboules qu'avec une bombe de tracer, mais GG à lui en tout cas. Je suis à 11 000 de soins. C'est pas mal, ils sont à 13 000 en face. Ok, elle a été tuée. J'ai mon outil.
Il était pas sur le point. Dommage. Dommage pour eux. Et GG pour nous, j'ai fait 25 kills, c'est pas mal. 6 morts, ok, 10 000 de dégâts et 12 000 de soins. J'ai fait quand même pas mal de dégâts quand même. Mais est-ce que... Ouais, je vais pas dire que ça compense celui qui jouait mal, parce que il a fait plus de dégâts que la Tracer. Mais il a fait deux fois et demi moins de kills que la Tracer justement. Donc c'est un peu bizarre. Allez, petite victoire, diamant 5, série de victoire, 22%. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. On se retrouve normalement assez rapidement pour la découverte de cette saison 10, donc la prochaine saison qui arrive dans quelques jours, hein, dans 3-4 jours. Enfin, tout dépend quand est-ce que je poste la vidéo. Ça a été un peu compliqué pour cette vidéo, puisque bah, comme je vous ai dit, Busan, on s'est fait un peu défoncer. On a fait Monastère Chambali, AFK, bon bah forcément on déroule sur tout. Ensuite, on était sur Hollywood. Sur Hollywood, ça s'est quand même plutôt bien passé puisqu'on a gagné, mais je trouvais qu'il n'y avait rien qui se passait. Là, bon, c'était quand même un peu plus... voilà, un peu plus serré, on va dire, même si ils n'ont pas capturé le deuxième point, mais voilà, c'était quand même plutôt pas mal. J'espère que vous avez apprécié ce petit gameplay avec le skin mythique Moira, enfin surtout avec, enfin pour vous montrer le skin mythique Moira. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très rapidement, notamment pour la découverte de la prochaine saison. Ciao tout le monde!